Il pose les deux pieds par terre, comme tous les petits humains et comme tout le monde fait quand on se réveille. Sauf que là, au lieu de rien entendre, il entend. Bloc. 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 Et s'il marche vite, ça fait bloc, 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 bloc. C'était plus des orteils et des petits petons comme tous les enfants qu'il avait. Ah non, c'était des sabots noirs, des gros sabots noirs, aussi obscurs que son cœur. Ah, et ses jambes, elles poussaient, 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 poussaient tellement haut qu'il s'était cogné la tête sur le toit de sa chaumière. Et il y avait plein de poils dessus. Ah, il sentait la piquette. Ah. Alors, Jean commence à se mettre à paniquer, se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai rien fait, j'ai pas fait de bêtises et tout. Et là, il regarde dans la salle de bain, regarde dans le miroir, et qu'est-ce qu'il voit? Un énorme nez. Et des grandes oreilles. Il commence à se transformer en corridor. Alors, les corridors...